1800 athlètes, 16 disciplines, 2300 encadrants et des centaines de bénévoles. Les Jeux des îles de l'océan Indien mobiliseront toutes les forces de la Réunion autour d'un même et seul thème, l'universalité du sport. Représenter la Réunion, une fierté pour tous ces sportifs, salués hier lors d'une cérémonie autour de la flamme du côté du village Corail. Le porte-drapeau de la délégation, sportif émérite, est fier, très fier d'avoir été choisi. C'était un grand honneur déjà de combattre pour la Réunion et c'est d'autant plus une fierté que de pouvoir représenter tous les sportifs réunionnais pour ces Jeux des îles. Premier souvenir déjà, c'était les Jeux des îles de 98. Mon grand frère avait combattu et tous mes camarades, mes entraîneurs avaient combattu. C'était la génération un peu d'avant et ça faisait partie de mes objectifs de pouvoir faire les Jeux des îles. Et après toutes les compétitions internationales que m'a fait, m'a loupé à chaque fois les Jeux des îles et tout. Et là, l'occasion de pouvoir les faire et en plus d'être porte-drapeau, c'était le summum du rêve. De nombreuses personnalités politiques et sportives avec entre autres Simon Dindar, président du conseil départemental, Didier Robert, président de région. Les Jeux des îles et les sportifs réunionnais bénéficient des aides des collectivités, ce qui permet pour certains sportifs d'évoluer sur le plan national, voire international. Mais Simon Dindar a surtout rappelé l'importance des liens qui unissent les îles de l'océan Indien. Vous représentez comme les sportifs de Maurice, de Madagascar, des Seychelles, des Comores, de Mayotte, vous représentez pour la Réunion de l'excellence. L'océan Indien de l'excellence. Vous êtes notre fierté, mais vous êtes aussi des modèles. Des sportifs et des sportives fiers de représenter la Réunion à l'image de la sélection Réunion de foot féminin. Et il fait plaisir parce que voilà, depuis que tu joues au football, et à un moment donné, on vit de que les gens remarquent en fait. Déjà, être comme ça en sélection, elle est belle. Parce que c'est une fierté, représente la Réunion. C'est un joli île pour qu'une voie. On va mettre encore plus en l'air encore. Parmi les 16 disciplines représentées, du foot, mais aussi du basket. Surtout que ma mamie est là-bas et revenir ici devant ma famille, jouer devant ma famille, même toutes mes copines d'avant, etc. C'est très très important pour moi de représenter mon île, où ça m'y vient et voilà. Créer une vraie cohésion au-delà des disciplines et permettre aux athlètes d'être tous derrière le drapeau réunionnais, c'est la vocation de ces 9e Jeux des îles. Faire échanger, faire rencontrer les gens, dans le village, à l'extérieur, que le public vienne, puisse rencontrer les autres et également peut-être permettre des échanges qui vont se conturer après. C'est pour ça qu'on a mis en place le camp des jeunes, car ce camp où des jeunes vont voir, observer est-ce que cette fraternité se joue entre les athlètes et les différents membres de chaque délégation. Le club Réunion se constitue de plus en plus, c'est-à-dire que c'est la cohésion du groupe et c'est créer un esprit d'équipe et un esprit chez les athlètes qui vont défendre les couleurs d'un pays, qui vont défendre les couleurs de leur île, de leur discipline et qu'il va falloir le faire au mieux. Rendez-vous pour la compétition, mais surtout pour la fête, à partir du 1er et ce jusqu'au 9 août, pour se mettre dans l'ambiance. Petit extrait du AK des filles de l'équipe de foot.